Bruno Mulema, yo, una ese, una ese. Bruno Mulema, una ese, una ese. Bruno Mulema, una ese, una ese. Bruno Mulema, una ese, una ese. Et comme moi, Mio Mulema, on a essayé. Et comme moi, Mio Mulema, on a essayé. Donc elle était, donc elle était, Mio Messé, la tombe, c'est non. Donc elle était, donc elle était bonne à moi, mais tu as aimé. Maloko mami, maloko mami, ma sona mona isani sani. Mia mami, ma komi mami, mese mese umusami. Kamuruno mulema yo, ona ese uma ese. Kamuruno mulema yo, ona ese uma ese. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanjal, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est donc un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire des informations justes, dignes, non biaisées et favorables à l'émergence de l'Afrique. C'est un engagement à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et pour ce jour, nous voulons une fois de plus revenir sur le cas, le drame de Bankole Odinga. Car voyez-vous, ce matin, j'ai essayé de discuter avec une voisine qui était mordicule, convaincue que la digue qui a cédé était l'œuvre du ministre Grégoire Rolin. Sachez qu'il ne s'agit pas de Talakou, car pour nous, nous recherchons le triomphe de la justice et de la vérité. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que je n'ai pas vu de lien de fait avec lien de cause à effet, autant pour moi, lien de cause à effet entre ce barrage et le ministre Grégoire Rolin. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu une fois de plus sur le terrain et beaucoup plus à partir de la résidence du ministre Grégoire Rolin. Y étant, je suis redescendu, j'ai emprunté une autre voie. Nous avons tenté de passer par la première entrée après la maison du ministre en descendant vers le lieu du drame. Les enfants m'ont déconseillé que ça ne m'y amènerait pas. Parce que ce que je voulais rechercher, c'est de savoir est-ce qu'il y a un cours d'eau qui coule dessus le ministre pour là-bas. Parce que, au regard vraiment, même si on ne connaît pas très bien le coin, c'est difficile à croire au regard du relief. Certes, il y a l'eau qui coule souvent sur les rochers, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes donc, nous avons donc continué et avons emprunté une descente pour arriver au lieu du drame. Alors, y étant, nous avons une fois de plus investigué, sollicité des gens pour avoir de plus amples informations, pour savoir si il y a un lien de cause à effet entre cette affaire et le ministre Grégoire Rolin. Mais il se trouve que le drame, le barrage, dit-on, a été conçu depuis des lustres, semble-t-il, par les Allemands. Alors, pour le profane que je suis en matière de bâtiments et de travaux publics, je suis étonné d'entendre que ce barrage date de plus d'un siècle. Car au regard de la couleur du béton et des pierres,
on a l'impression que c'est quelque chose qui a été réalisé il n'y a pas longtemps. Dire donc que plus de 50 ans, je laisse la latitude aux experts en la matière, dans le domaine, notamment les ingénieurs, pour nous dire un peu si vraiment ce barrage a été réalisé depuis environ 100 ans. Car il y avait un pont par là qui s'est écroulé aussi. Il y a le lac qui est vidé, qui n'a plus son eau. Donc, voilà ce que nous avons pu récolter sur le terrain pour redire que nous ne versons pas dans la talakou, c'est pas l'instinct grégaire, nous recherchons le triomphe de la vérité en ce qui nous concerne, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous croyons que le ministre Grégoire Homa n'est de près ni de loin dans la construction de ce mur de soutènement, dans cette digue qui a lâché sous la pression de l'eau, résultat de l'accumulation de fortes pluies pendant plusieurs jours. Je vous donnerai donc quelques images du site et nous vous donnons l'occasion aussi de vivre l'ambiance qu'il y a sur le terrain. La maison du ministre est plus loin en haut là-bas. Ici, nous sommes dans la vallée. Nous essayons de descendre. Sur le terrain, nous avons donc constaté que c'était la distribution des produits de premier secours promu par le chef de l'État et annoncé lundi dernier par le ministre de l'Administration territoriale qui était en compagnie du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha Épouse-Courtès. Alors, nous avons remarqué que la distribution avait bel et bien lieu. Cependant, il y avait des dissensions, il y avait des manifestations de mécontentement de la part de certains. Vous voyez par exemple, il y a un qui n'était pas content de voir qu'à lui, on a donné un petit matelas de faible épaisseur. Il rejetait même ce matelas. Il dit que vraiment, il ne peut pas accepter ça pendant qu'on donne de grands matelas aux autres. D'autre part, il y avait des gens qui étaient fâchés parce que, disent-ils, le chef de quartier Ouliga, lieu dit Crocodile, avait établi une liste. Mais à leur grande surprise, les gens qui sont de l'autre côté de la route, sur le plan de l'autre colline, partaient de là avec des matelas, dont leur nom était sur la liste. Et d'où la nervosité de certains. Alors, est-ce qu'on peut en être surpris? Pas du tout, ça rentre dans l'ADN des Camerounais. Et nous voulons rappeler une fois de plus les autorités à sévir face à cette situation. On ne doit pas pouvoir profiter du malheur de certains, alors que les concernés ne reçoivent pas ce qui leur est dû. Alors, c'est pas parce qu'on est chef des quartiers, on verse pas, on est tout le temps dans les meetings du RDPC, qu'on doit croire qu'on peut se permettre de faire des listes, de favoriser des gens impunément, l'essentiel étant toujours d'affirmer son soutien inconditionnel et indéfectible au chef de l'État. Non, le chef de l'État, Paul Biya, que nous supportons, que nous accompagnons même par notre action qui vise à toujours dire la vérité, est soucieux de se faire accompagner par des gens honnêtes et intègres.
Ça ne vaut pas la peine de brailler meeting en meeting, dire que je soutiens le plus beau, le plus élégant, le plus meilleur des présidents pour le déternir ses actions, pour dévoyer ses actions sur le terrain en versant dans une sorte de favoritisme qui n'explique pas des actions affinitaires. Alors, donc, nous invitons les responsables administratifs à investiguer sur ce cas et parce que vous allez voir d'ailleurs les images, ces enfants étaient furieux, très tendus. Ils n'arrivent pas à comprendre que à eux qui sont les concernés, qui ont même sorti les corps, on ne donne rien alors qu'on avait enregistré leur nom, pendant que ceux qui sont de l'autre côté de la rue, ils nullement concernés par ce drame, sortent de là avec des matelas des sous. Veuillez donc suivre. Moi-même, j'ai dit que mais nous sommes là pour nous donner pas les problèmes. Après, on va dire que suivez le gouvernement. On va suivre le gouvernement comment? Ça, c'est le papier. Le Seigneur est là. Ou bien on essaie de devenir un autre pays. Ça, on doit bon, tout le monde, tous les autres qui n'ont pas eu à aller devenir, on devient même alors un Sénégalais ou bien même un Nigeria. C'est quoi? On ne connaît rien. On a habité ce qui plus que les 13 ans. Mais si vous n'avez plus rien à faire. Rien. Si vous voyez que. Soyons unis, soyons solidaires.